Hello, hello, comment ça va? Ça va bien? Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du fait, faut-il proposer ses services gratuitement au départ lorsqu'on se lance? Donc on en parle dans un instant, mais avant tout, je me présente. Moi, c'est Fanta Barou, je suis consultante et coach marketing et je vous aide dans tout ce qui est branding de votre marque personnelle, savoir vous mettre en avant, savoir créer une marque forte, spécifiquement sur Instagram et dans la vraie vie. Donc vous avez toutes les informations dans la barre d'informations en dessous de la vidéo où je propose donc du coaching personnalisé et des formations en ligne. Et vous avez même accès à une formation, à une web conférence, donc une conférence gratuite, comment être visible sans être un expert des réseaux sociaux. Donc abonnez-vous à la chaîne parce que je sors une vidéo donc tous les jours maintenant pendant 100 jours. Donc si vous voulez être au courant, abonnez-vous, comme ça vous aurez votre vidéo tous les matins. Donc on va commencer. Donc comment est-ce qu'on doit proposer du contenu gratuit, des services, des produits lorsqu'on se lance? Alors moi je dis non. Je ne conseille pas de proposer des produits gratuits parce que le gratuit, ça a toujours une consonance de valeur diminuée, d'une mauvaise qualité. Donc quelque part, on a l'impression que vous n'avez pas confiance en vous. Lorsque vous proposez des services, il y a déjà Instagram, il y a déjà YouTube, il y a déjà Facebook. Ce que vous faites, c'est déjà du gratuit. Moi, ce que je fais là, c'est du gratuit. Donc, je pense que c'est suffisant. Maintenant, lorsque vous proposez des services, du coaching, des produits, ne le faites pas gratuitement. Je peux comprendre qu'au début, lorsqu'on n'a pas de clients, on n'a pas forcément confiance parce que c'est le début, mais les clients ne doivent pas le sentir. On en parlera dans une autre vidéo. Mais ce que vous devez faire, au pire, si vous n'avez pas confiance, tout de suite de sortir des prix qui sont élevés, faites des prix moins élevés pour vous faire la main, mais ne le faites pas gratuitement. Parce que clairement, un tarif, ça engage le client. Et c'est comme ça qu'on voit si le client est déterminé. Moi, je l'ai vu, hein. Plus mes tarifs étaient élevés, et plus j'avais un client qui était déterminé. Moins mes tarifs étaient élevés, et moins le client en avait forcément envie. Donc, je suis désolée, mais vous pouvez regarder dans n'importe quoi. Dès que c'est un produit de marque, on a l'impression que c'est de la qualité. C'est comme ça que dans l'inconscient des gens, c'est. Donc, si vous le faites gratuitement, ils vont avoir l'impression que votre service, votre produit est de mauvaise qualité, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ne vous dévaluez pas parce que vous venez de commencer. Parce que je suis désolée, mais tout le monde a commencé. Et même si vous êtes débutant, par rapport à la personne que vous allez aider, vous en saurez toujours plus. Forcément. Et tout le monde a commencé, donc aider les personnes au-dessus de qui de qui vous êtes en fait, hein. Des connaissances que vous avez au-dessus d'eux. Et là, il y en a forcément, vous voyez. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, on a tous commencé. Encore une fois, pas de gratuit, je le déconseille, en dehors de ce qu'on donne sur les réseaux sociaux. Sinon, encore une fois, si vous n'avez pas confiance, vous faites un petit prix, mais vous ne le faites pas gratuitement. Vous devez engager le client. Donc voilà, c'était tout pour le conseil du jour. Donc abonnez-vous pour recevoir donc la vidéo tous les jours. Et moi, je vous dis à demain. Et n'oubliez pas de partager si vous avez aimé à une personne que ça pourrait aider.